Madame la Marquise du château de Cheverny. Alors nous sortons de l'exposition Les Secrets de Moulinsart. Alors Madame la Marquise, pouvez-vous nous présenter cette exposition ? Alors, vous savez que Tintin est un bon ambassadeur pour Cheverny, puisque nous avons reconstitué une exposition en taille réelle, en 3D. Donc, ça n'est pas une exposition traditionnelle. Hein. Vous rentrez vraiment comme si vous étiez le héros de la bande dessinée dans cette exposition interactive. Et pourquoi ? Eh bien, parce que Hergé s'est inspiré du château de Cheverny pour dessiner son château de Moulinsart. Voilà, le château du capitaine Haddock. Il est arrivé par la route de Conte, qui est une route très, 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 très longue. Et de part et d'autre de cette route, il y a des arbres qui cachaient les deux ailes du château. Et Hergé est tombé amoureux de la partie centrale, sans doute parce que ça correspondait bien à sa ligne claire, facile en trois coups de crayon de dessiner le château. Et voilà, ils se sont mis d'accord avec l'oncle de mon mari à l'époque pour dessiner ce château et prendre le modèle de Cheverny. Et voilà, et aujourd'hui on est très heureux d'avoir cette exposition qui nous fait venir beaucoup de familles francophones. Et c'est une exposition qui a énormément de succès et qui plaît beaucoup, parce que tous les âges peuvent se reconnaître dans cette exposition. Merci Madame la Marquise pour cette interview donnée aux reporters du Net.